Bien, bonsoir les gens, c'est Ouli. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Écarlate, le disque indigo. Dans le dernier épisode, on avait fait un petit tour d'école histoire de récupérer un peu des petits bonus, des petits trucs. On a pu choper les cachets de Nerin qui nous permettent à Coridon de voler. Donc maintenant, on peut faire ça et m'envoler. Et ça, c'est stylé. On a aussi récupéré l'objet qui permet à Duralugon d'évoluer, donc on a pu avoir Pondralugon dans le Pokédex. On a aussi fait évoluer Pondramour pour avoir un Pomme de Roshi. On a trouvé quelques starters, on a amélioré le Terradome. On a fait pas mal de petits trucs comme ça, c'est bien sympa. Et maintenant, nous allons parler à Lithia afin de pouvoir débloquer de nouveaux paradoxes et après de partir à leur recherche. Alors, Willy, elle avance la mission que je t'ai confiée? Souviens-toi, je t'ai demandé de trouver 200 espèces de Pokémon du Pokédex Myrtille. Zut! Bon bah on va faire un épisode spécial Pokédex alors. J'ai un peu le seum parce que ça bousille un peu mes plans. Mais ça doit pas être trop compliqué. HC14 je le trouve pas donc c'est un peu chiant. Il me semble que c'est dit qu'il est dans un coin, donc je vais regarder où est-ce qu'il est. Sinon on va essayer de choper Tauros. Qui doit pas être très loin. Après la plupart des Pokémon normalement ils sont gratos hein. Vas-y. Épisode Pokédex, c'est bon. Ça m'a boosté là, ça m'a chauffé. Donc je récupère déjà tous les starters, on les fait évoluer. Ça c'est bon. Il manque juste Primplouf, Lagron. Et Gouplin. Alors. On va commencer doucement. Ah oui, c'est vrai, j'avais eu un Fennec Shiny dans mes échanges. Bon, lui, je pense qu'il est pas très légit, hein, il a dû être généré. Et bon, c'est pas grave. Groussil, le Pokémon renard, type feu. Il envoie des signaux à ses congénères en mettant le feu à la branche de sa queue ou en agitant la flamme. En cas de danger, il la fait tourner. À l'objectif 200 Pokémon. C'est bon. C'est bon, on a Gouplin. Gouplin, le Pokémon renard, type feu psy, il laisse des traces de brûlure sur le sol avec la flamme au bout de son bâton. Les formes de ses marques étaient jadis utilisées en divination. Maintenant, on va faire évoluer Gobou. Ah, il ressort un peu plus turquoise que d'habitude dans cette version-là. Flobio, le Pokémon poisson-boue, type au sol, il vit sur les sols boueux et glissants, ce qui a permis à son arrière-train de se renforcer et de devenir particulièrement robuste et flexible. Donc Flobio a un bon cul, il fait des squats.
Je m'avance un peu pour éviter tous les petits brins d'herbe devant. Et voilà Lagron. Lagron, le Pokémon poisson-bou, type au sol, ses bras sont solides comme la pierre. Un seul coup suffit pour réduire en miettes les rochers les plus imposants. Au suivant, type Plouf. Allez, type Plouf évolue. En Primplouf. Primplouf, le Pokémon pingouin type O, c'est un Pokémon solitaire. D'un seul coup de ses puissantes ailes, il peut fendre en deux les arbres les plus imposants. Allez, maintenant, il nous faut Croix-Poral. Et voilà Croix-Poral. Oh, bah je l'avais déjà. Ah. Elle est autour de Matloutre. Sinon, moi, je veux que des shiny en échange miracle. Après, c'est des faux shiny, hein, ils sont généreux ceux-là. Matloutre, le Pokémon entraînement type O, on raconte que certains arts martiaux à l'épée s'inspirent des mouvements fluides de Matloutre lorsqu'il manie ses deux coupillages. Matloutre est beau, ouais. Bon, Boscara qui est trop moche en shiny. Je préfère sa couleur de base. Boscara, le Pokémon bosquet type plante. Les Boscara sont des Pokémon sylvestres. On dit que chacun d'entre eux s'abreuve à une source d'eau pure qu'il est le seul à connaître. Évidemment. On le fait évoluer en Torterra. Moi j'aime bien Torterra. Sous-côté comme Pokémon. D'ailleurs, je t'en joue parce qu'il y a une belle carte pour ma collection. Parce que. Il n'y a pas de super carte Torterra. Pourtant, j'imagine bien une belle alternative où est-ce qu'on le voit avec des petits Pokémon sur lui et tout. Torterra, le Pokémon continent type plante sol. Autrefois, les gens croyaient que le monde reposait sur le dos d'un gigantesque Torterra. Allez, on prend d'autres Pokémon. Imagine un Boscara avec des arbres Sakura à la place des arbres classiques. En Torterra, ça pourrait rendre bien. Ça pourrait être une belle forme régionale, mais. Un jour peut-être, hein. Ça peut se faire. Alors, pour tous ces petits Pokémon là, il faut plein de pierres, plein d'objets. Si je sors déjà ma pierre glace et ma vieille théière, je peux le faire évoluer. Félicitations, Tefroi évolue en Poltergeist.
Si tu veux apprendre cérémonie ou je sais pas quoi. Ah, j'ai pas eu son sa description Pokédex, ok. Allez, pierre glace. Comme ça, on a Sablero de Alola. Sablero, le Pokémon souris type glace acier d'Alola. Ces épines d'acier sont recouvertes de glace. Elles infligent de profondes blessures et des engelures à tout être qu'elles transpercent. Voilà. Et maintenant, c'est que de l'XP. Voilà, on a Matoufeu. Matoufeu, le Pokémon chat feu type feu. Il porte un grelot de feu autour du cou. Lorsqu'il crache ses flammes, ce grelot se met à tinter bruyamment. Et on chope aussi Félinferno. Voilà. Petit Félinferno. Félinferno, le Pokémon Ville Catcher, type feu ténèbres. Lorsque son esprit combatif s'embrase, les flammes autour de ses hanches redoublent d'ardeur. Ouais, on s'en fout. Là, on va pouvoir voir la famille de Germignon. Germignon évolue en Macronium. Bon, même si personne ne l'aime, je trouve qu'il est quand même plutôt joli. Macronium, le Pokémon feuille, type plante. L'odeur épicée que dégage son cou donne étrangement l'envie de se battre à quiconque la sent. Et on enchaîne pour avoir Meganium. Macronium vraiment nul. Oh, moi je l'aime bien quand même. Il y a eu pire. Meganium, le Pokémon herbe type plante. Toute personne se tenant près de lui se sent revigorée, comme si elle respirait l'air frais de la forêt. Allez, on va voir Dracaufeu. Reptincelle. Reptincelle, le Pokémon flamme type feu. En agitant sa queue enflammée, il peut élever la température ambiante de manière exponentielle et ainsi tourmenter ses adversaires. Petit bonbon à elle. Et un bonbon S. Voilà, on a enfin Dracaufeu, hein, une des mascottes de Pokémon. Dracaufeu, le Pokémon flamme, type feu vol. Quand Dracaufeu s'énerve réellement, la flamme au bout de sa queue devient bleue.
Et on termine avec Marisson. On a Bogueris. Bogueris, le Pokémon épine armure type plante. Une carapace solide le protège. Elle est si lourde qu'elle a permis à ses membres inférieurs de se muscler naturellement. On en est où là? 190, encore 10 Pokémon et on sera bon. Allez, on continue. On est sur une bonne lancée là. Revenir sur un live, ça donne l'impression que je dois revenir à la maison. C'est mignon dit comme ça. Allez, Bogueris évolue en plein des pics. Le Pokémon épine armure. Quand ses compagnons sont en danger, il déploie ses bras pour former des boucliers et devient lui-même un rempart face aux ennemis. Aux attaques plutôt, mais les ennemis aussi, ça compte. Il faut pas grand chose hein, pour améliorer le Pokédex. Vraiment que des trucs comme ça parce que ben j'ai capturé quasiment tous les Pokémon. Lanterne, le Pokémon lumière, type eau électrique. Les organes lumineux de ce Pokémon résultent de la mutation d'une partie de sa nageoire dorsale. Il s'en sert pour attirer ses proies. Allez, un petit bonbon L sur Petit Tigri. Félicitations, Petit Tigri évolue en Mystérix. Mystérix, le Pokémon Self-Control, type Psy. Les femelles sont plus agressives que les mâles. Elles restent impassibles, quelle que soit la force des pouvoirs psychiques qu'elles déchaînent. Allez, un bon bohème sur Tad Morve. Magnifique. Tad Morve. Gros Tad Morve, le Pokémon dégueu type poison ténèbre. Il a plus de 100 toxines différentes dans son corps. Les réactions chimiques entre ces poisons constituent sa source d'énergie vitale. Et c'est un des Pokémon les plus moches jamais créés. Et normalement, si je donne pierre soleil ou pierre plante, je crois que c'est pierre plante. Non. Bah, il évolue comment, Mysterbe ? Enfin, Ortide plutôt. Ouais, pierre plante. Donc là, je fais évoluer Mystab en Ortide. Et maintenant... Pierre plante.
Rafflesia, le Pokémon fleur type plante poison, son bourgeon éclot en détonant. Il se met ensuite à disperser du pollen empoisonné qui provoque des allergies. +195, 5 Pokémon. Allez, on peut le faire. Ah, j'ai Flambino, faut que je le fasse évoluer du coup. Après, je peux pas faire grand chose de plus. Hein. Flambino, Tauros. Un Tauros, il est pas très loin, je crois. Donc, si je me balade un peu, je devrais pouvoir tomber dessus. J'esquive tous les Pokémon. Oh bah voilà Tauros. Il me faut juste cache à croc. Comme ça on l'a attrapé vite fait, bien fait. Voilà, Tauros est capturé. Maintenant, faut que je trouve le Flambino. Hop là, viens là toi. Je te fais évoluer. Voilà, Lapiro et Pyrobut. Lapiro, le Pokémon lapin, son pelage doux et épais lui permet de mobiliser facilement son énergie incandescente et ainsi de produire des flammes encore plus puissantes. Petite dernière. Pyrobut, le Pokémon buteur type feu, il a tendance à s'emporter facilement, mais quand il accompagne une personne de confiance, il donne le meilleur de lui-même en combat. Allez, on est pas mal, il n'y a plus qu'à essayer de trouver peut-être un Pokémon ou deux que j'ai pas, genre un starter. Genre lui là. Brindibou. Putain, c'est pas le bon Karchakrok. Vas-y, je tente des trucs. Sur un malentendu, ça passe. Allez.
Pokéball. Magnifique. Brindibou, le Pokémon plume feuille type plan de vol, il plane sans bruit dans les airs pour se rapprocher rapidement de sa cible, et il la prend dépourvue en lui assénant de puissants coups de patte. Allez. Je le fais évoluer et normalement on sera bon dans nos 200 Pokémon. Et Flèche, le Pokémon plus macéré. Type plan de vol, ce Pokémon narcissique accorde énormément d'importance à la propreté. Il refuse parfois d'obéir si on ne prend pas grand soin de lui. Et bah là, c'est bon. On a dû atteindre 200 Pokémon, non? 200 piles. Pas mal, pas mal. Bon, bah, on fera un dernier épisode Pokédex, je pense, vers la fin du jeu. Là, pour aujourd'hui, je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la quête de Lydia pour récupérer deux Pokémon Paradox dans la zone 0. Sur ce, je vous dis des bisous, à très bientôt.